il n'y a pas de faute mariée. C'est ça. Alors, donc maintenant, la question que la sœur pose, et même pour les auditeurs qui écouteront, avec ce que nous expliquons, c'est où la place de la fornication, ou même de l'adultère. Par exemple, vous voyez bien. Donc, il faut bien comprendre. Donc, nous avons là, alors si vous voulez, fornication ou adultère, est définie comme une relation sexuelle illégale. N'est-ce pas? Illégale. Ça veut dire qu'à la base, parce que là nous sommes dans des principes, hein, principes totalement juridiques, universels ou moraux, des principes moraux, totalement, mais qui ne touchent pas. Qui ne touchent pas à la conscience du royaume. Voilà. Donc, ça veut dire que pour le Créateur, pour bien comprendre, l'esprit qui est en nous ne doit se croiser qu'en lui. Ne doit rentrer que dans son identité. Vous comprenez bien? C'est son époux. Mais si cet esprit-là va plutôt se croiser avec une autre conscience dans l'univers, je suis en adultère, je suis dans la prostitution. Même si, dans cet état, je n'ai jamais connu d'homme ou de femme, je suis prostitué. Fornicateur. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Oui. Hein? C'est grave. Mais bien sûr que c'est ça la réalité. Bon, mais pour nous voiler cela, on nous a donné d'autres principes de compréhension qui sont totalement obsolètes. Comme ça, on nous encourage dans la prostitution. Et puis tu dis, moi je ne suis pas prostituée, j'ai mon mari. Et pourtant tu es. Les signes visibles de la prostitution, c'est que tu portes en toi les stigmates de celui avec qui tu t'accouples. La personnalité de Satan. Les convoitises, les haines. Les gens, c'est ça le signe visible de la prostitution. Hein? C'est ça. C'est ça le signe visible. Mais quand tu viens donner à cet individu-là une autre compréhension de l'adultère et de la prostitution, mais il ne saura jamais qu'il est prostitué. Et c'est pour ça que quand vous voyez bien dans les écrits Apocalypse, on parle de tous les peuples de la terre qui ont été entraînés dans la prostitution. Par qui? Il y a le faux prophète, il y a les rois de la terre. Et qui ont amené le peuple à se prostituer avec qui? Le prostitué. Qui est le prostitué? Si ce n'est Satan. C'est lui qui se prend pour Dieu. C'est lui, le prostitué. Et c'est donc, on a amené tout le peuple à épouser cette conscience-là, à l'épouser. Et c'est dans elle que les gens se croisent. Donc, et tout longtemps que nous fonctionnons à partir de ce fondement, nous ne sommes pas en position de comprendre c'est quoi le mariage. Donc, on va prendre les mêmes mots, les termes, pour soutenir autre chose. Voilà. Bien sûr que c'est cela. C'est ça. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul. Lorsque il parle toujours de ce qu'on appelle là, il dit que s'il arrive que une femme, comme femelle ou un homme, ait eu la grâce du Créateur de commencer à sortir des ténèbres, changer d'identité pour retourner vers le Créateur. Et il était lié à un homme. Pour le cas de la femme, il était lié à un homme. Au niveau extérieur. Hein? Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ce n'est pas parce que tu changes de conscience pour entrer dans la lumière qu'il faut rejeter cet homme. Mais s'il ne se reconnaît plus en toi, laisse-le. Libre de... Parce que, puisque lui sait que vous n'étiez jamais marié. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous connaissez ce texte dans les écrits, non? Bien sûr. Il dit, s'il consent à être avec toi, ne le rejette pas. Qui sait? Tu peux le ramener. Par toi, le Père peut le ramener à la lumière. C'est ça. Qui sait? Peut-être qu'il pourra y avoir mariage. Peut-être qu'il pourra y avoir mariage. Parce que, comme je dis, le mariage a un fondement. Un fondement légal.
C'est-à-dire que dans le monde, dans le système étatique du monde, le mariage a un fondement juridique pour qu'il soit reconnu comme mariage. C'est la loi. La loi, ça renvoie à la conscience. Donc vous vous croisez dans la conscience. Donc c'est après votre passage chez le maire que vous êtes légalement reconnu comme marié. Ça veut dire en réalité que vous devez fondre dans la même conscience. C'est ça. Mais cela, c'est un principe. C'est un principe. Mais cela n'est pas réel dans le monde. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas fondre dans la même identité. Quand madame change de nom, je m'appelle Madame Bimaï. Mais s'il n'y a pas, si cette identité-là ne renvoie pas vers le Créateur, vous allez voir qu'il y aura toujours dispute. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore marié. Ce n'est pas parce que vous vous accouplez, vous avez les enfants, que vous êtes marié. Si vous comprenez bien le fondement du mariage, le mystère, le mariage, parce que c'est la construction du Créateur lui-même, c'est l'ouvrage du Créateur. Je change de... Parce que changement de nom, ça veut dire que je change de personnalité. Je change d'identité. Je vais rentrer dans l'identité de l'autre. C'est ça. Donc moi, je ne suis plus. C'est lui. Donc nous nous rencontrons. Et ça, vous comprenez le principe, la justice du Créateur. C'est parce que, comme l'homme, on dit l'homme lui-même, son identité, c'est celle du Créateur. Et c'est la possibilité qui est donnée à l'autre de rentrer aussi dans l'identité du Créateur. Les deux deviennent une même entité dans le Créateur. Et la multiplication devient facile. Donc, nous le disions hier, la manipulation, c'est que lorsque vous vous croisez dans la conscience des nations, c'est elle qui multiplie son espèce. Vous dites, j'ai des enfants. Ce ne sont pas tes enfants, c'est les enfants de la conscience dans laquelle vous êtes croisés. Mais bien sûr! Mais c'est pour ça que l'État considère ce produit comme son produit. Mais c'est parce qu'on est naïf qu'on croit que j'ai mes enfants. Comment, montre-moi comment un individu qui lui est resté dans l'embryon, il est toujours petit, depuis qu'il est né là, on ne lui a pas donné la possibilité de rentrer dans l'entrée. Comment est-ce qu'il peut accoucher? Hein, mon frère Daniel, peut-il accoucher? Mais non, parce qu'il n'a jamais grandi. Mais c'est lui qui a accouché là, c'est le faux qui a grandi dedans. Montre-moi comment quelqu'un qui, depuis qu'il est rentré là, il est dans l'embryon, j'ai dit l'esprit humain, on ne lui a pas donné la possibilité de rentrer dans des facultés exceptionnelles du Créateur. Montre-moi comment il est attiré par une femme. Puisqu'il n'a pas de conscience. Quand on est dans l'embryon, on n'a pas conscience. On n'a même pas de désir. Ils ne sont pas manifestes, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que vous voyez, on dit bien, il fallait d'abord que le Messie devienne homme, qu'il soit accompli, je veux dire, pour que le Père lui donne une... On ne donne pas une épouse à un enfant dans l'embryon. Nous sommes restés dans l'embryon, ce n'est pas nous qui sommes mariés, non. Nous ne sommes encore, aussi longtemps que nous sommes dans l'embryon, on ne peut même pas se marier. D'accord. Toutes les cultures du monde savent que on donne femme à quelqu'un qui est mature. Dans certains pays même, selon l'âge de la majorité, si en France, il faut 18 ans pour que tu sois considéré comme mature. Si tu vas chez le maire à 16 ans pour allaiter, le maire ne va pas te marier, sinon il va être poursuivi. Cela n'est pas vrai? Mais oui. Si tu vas avec une jeune fille ou un jeune gars, une jeune fille par exemple, de 11 ans, tu es considéré comme pédophile. Parce que l'enfant est encore dans... Il faut devenir un esprit accompli,
Ça veut dire que tu rentres dans l'identité du Créateur pour avoir une épouse. Et pour multiplier l'espèce du Créateur. Donc on ne peut donc pas parler des êtres enfermés dans l'embryon, dire qu'un jour ils se sont mariés et puis ils ont divorcé. Il faut d'abord qu'ils sortent de l'état d'embryon, rentrent dans la phase accomplie, on peut parler du mariage. Et ce mariage-là est indestructible. Parce que ce n'est pas eux qui le construisent, c'est le Créateur qui le construit, lui-même. Parce que pour le Créateur, c'est un outil qu'il utilise pour étendre son pouvoir. Pour réaliser ses objectifs. C'est là où on parle du mariage. Donc, comme je le disais, je suis bien conscient que ces sujets, la manière dont ils sont abordés, ça semble sortir les gens de ce qu'ils ont toujours considéré comme vrai. C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens disent, mais ils sortent de l'évangile. Mais c'est des gens qui n'ont jamais construit pas dans l'évangile réel. Donc, on a construit à partir des idées reçues et des idées fausses. Sur le mariage, sur ce que c'est que l'homme, sur ce que c'est que le divorce, et remariage, sur la richesse, sur l'intelligence, des idées totalement fausses. Si vous en faites l'expérience, nous avons des petits-enfants. Un garçon, un petit garçon, jeune garçon de 6 ans, ou même 3 ans, quand il parle déjà, vous pouvez lui répéter tout le temps que celui-là, celle-là, c'est ta femme. Vous le lui répétez pendant 1-2 ans. Il va le répéter lui-même que c'est sa femme. Mais est-ce que c'est vraiment sa femme? Ben oui. Il ne sait même pas ce que c'est qu'avoir une femme. Mais il va le répéter. Vous voyez, j'ai... En fait, ce sont des expérimentations que je fais comme ça. J'ai un petit-fils, bien moins que l'âge de Edgar, bien moins. Et dernièrement, quand j'étais au Cameroun, je m'entretenais avec lui. Et puis, je lui dis que sa maman s'appelle Philomène. Par le petit nom, j'appelle Mère. Et je dis à ce petit-fils que Mère, c'est ma mère. C'est ma mère. Après, quand je lui pose la question que qui est ma mère, il me dit c'est ma mère. Je vous assure comme ça. Oui. Il va le répéter. Voilà. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il est dans l'embryon. Il a une force supérieure à lui qui peut lui faire répéter tout. Il le répète. Et vous pouvez le lui répéter jusqu'à 40 ans. S'il n'y a personne d'autre à côté qui vient lui dire que non, ce n'est pas sa mère, c'est sa fille, il va dire c'est sa mère. Je dis jusqu'à 40 ans. Même 60 ans ou 50 ans. Il nous dira comme ça. Donc, en prenant de l'âge extérieur, pendant que nous sommes dans l'embryon, sans développer des facultés réelles qui nous ramènent à notre identité réelle dans le Créateur, les idées reçues que nous avons commencé à recevoir dès l'enfant, on peut les répéter jusqu'à 100 ans. Les idées reçues. Parce que nous avons demeuré dans l'embryon. Tout ce que le Créateur a fait est bon. Si nous rentrons dans la vraie dimension du mariage, vous allez comprendre combien ce que le Créateur a fait est exceptionnel. Parce que c'est lui-même qui le construit. Oui. Après ce que vous avez encore expliqué là, avec les idées reçues, nous avons les idées reçues qui nous disent que le mariage c'est une bénédiction. Oui. Mais avec tout ce que je viens d'entendre là, je ne peux pas dire maintenant que le mariage c'est une bénédiction. Ça ne vient même pas de
d'Élohim. C'est ça, c'est exact, si vous voulez, c'est ça. C'est la manière dont il a été conçu, en fait. C'est-à-dire que les idées que l'on a du mariage, vous voyez bien, je dis surtout à tous les niveaux de la société, hein, l'idée que l'on a de mariage vient d'une autre conscience que le Créateur. C'est pas, voyez, si vous voulez, ça vient de la conscience universelle. Les idées que l'on a du mariage, ça vient de la conscience universelle. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que le fond, ça ne peut pas nous amener au même résultat que le mariage réel. Selon le Créateur. C'est pas possible. Donc, ce n'est pas parce que vous utilisez le même mot. Si le fond n'est pas le même, ça ne peut pas vous amener au même résultat. La preuve, c'est qu'on n'y arrive jamais. Voilà. La preuve, c'est que vous n'y arrivez jamais. On dit bien, les enfants, c'est-à-dire le produit de la multiplication de l'identité du Créateur que vous portez, c'est la bénédiction du Créateur. C'est-à-dire, ce sont des instruments par lesquels le Créateur pénètre l'univers. On le dit comme ça. Mais nous avons un autre produit qui se multiplie au travers de nous. Est-ce que c'est une bénédiction? On regrette même souvent d'en avoir eu. On dit souvent que ce sont des petits démons. Et on regrette même souvent d'avoir croisé cet homme-là. Ou cette femme. Je regrette. Tu as pourri ma vie. Voilà. Si on a bien compris ce qui a été dit, c'est que on se retrouve dans une conscience. Ouais. Et cette conscience-là qui se bâtit en nous, c'est-à-dire ça nous donne les attributs de la conscience dans laquelle on se retrouve. Donc en cela, je peux dire le mariage, ce n'est même pas une bénédiction, c'est la bénédiction. Ouais. C'est ça le mariage. Maintenant, si on comprend mal le mariage, eh ben, c'est aussi pareil. On se retrouve dans une conscience. Une conscience qui est la malédiction. Si on n'a pas bien compris le mariage, normalement, ça ne devrait être que mauvais pour nous. En principe. Donc, le mariage, c'est une bénédiction. Enfin, le mariage, comme le Créateur l'a établi, c'est une bénédiction. Et si ce n'est pas de cette façon-là, je pourrais même dire que c'est une malédiction. Donc, tel que les croisements se font, ce que l'on appelle mariage, à tous les niveaux de la société, à tous les niveaux, en fait, c'est une institution étatique, qui, comme on le dit bien, elle est le fondement élémentaire de l'État. Le fondement élémentaire de l'État. Et tout en sachant qu'on parle de l'État, on parle d'une personne morale, donc d'une conscience, normalement, qui se multiplie en se servant comme élément primaire, la rencontre en elle entre mâle et femelle, celle qui multiplie. Donc, finalement, ce croisement en elle entre mâle et femelle, donc, commence à prendre sa forme plurielle et se multiplier au travers de la famille. Et la famille devient la nation. Donc vous avez l'État comme personne morale, un esprit qui s'exprime au pluriel. Et avec toutes ces caractéristiques que vous voyez, hein, toutes ces caractéristiques, tout ce qu'on peut voir s'exprimer. Et là-dedans, quand vous allez creuser la racine profonde du croisement que les individus se font dans cette conscience, vous verrez clairement que ces individus ne peuvent pas fusionner dans les mêmes intérêts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas fusionner dans les mêmes intérêts. Avec cette conscience, oui. Mais vis-à-vis d'eux-mêmes, cela n'est pas possible. Voilà. C'est sur le principe de cette relation que même, j'ai dit sur le principe de ce fonctionnement, que même les relations internationales se forment. Les nations ne peuvent pas fusionner dans les mêmes
intérêts. Je ne sais pas, vous voyez bien. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de voir les frontières. La conscience qui s'appuie sur l'ensemble, oui. Mais les sujets eux-mêmes, non. On a vu des gens comme les Paul, les gens qui ont connu le vrai mariage, c'est-à-dire par rapport au Créateur. Oui. Et qui avaient ce qu'on appelle des compagnes, oui. Et sûrement des enfants. Oui. C'est-à-dire à qui ils ont inculqué ces repères. Oui. On a envie de se poser la question de savoir, mais où est passée cette race, la race du Créateur? C'est ça. Bon, et d'ailleurs que je pense que l'histoire nous renseigne dessus, hein, l'histoire. Vous voyez bien que cette race-là, comme tu le dis bien, qui est celle du Créateur, qui est sa construction, c'est sa construction. C'est une civilisation qui est construite par lui-même. Si vous l'avez sur la terre, l'autre civilisation va disparaître. C'est-à-dire la civilisation en face. Bon, ça veut dire que là, vous avez le modèle de la vraie civilisation. Vous avez le modèle de ce qu'est l'homme réel, parce qu'il est la réplique du Créateur. Donc, il vous montre en face que tout ce que vous voyez là est faux. Donc, il menace la disparition de l'autre. Donc, vous ne pouvez pas avoir sur la Terre une telle race et que la civilisation des nations soit là. Donc, c'était normal, puisque ces individus ont été tous... on peut dire, poussé hors de leur corps par ce qu'on nous a présenté comme la persécution. Tous. Parce que si vous voulez bien, à l'époque, les nations avaient bien compris que, avec un tel peu, parce qu'ils disaient qu'ils renversaient l'ordre universel. Donc il faut les faire disparaître. Mais cela a été nécessaire aussi parce que le cycle des nations devait atteindre son apogée. Oui, son apogée. Donc cela ne s'est pas passé parce que la civilisation nation est puissante, non. Ça rentre vraiment dans le processus de l'évolution de l'ordre, en fait, de la création pas établie par le Père. D'ailleurs que vous le verrez en ces temps-ci que nous franchissons, si une telle race se lève sur la terre, vous verrez clairement que c'est la fin de la civilisation en face. Vous voyez, comme je le disais ce matin que vous avez un royaume qui fonctionne par la fausse monnaie. Personne n'y a jamais connu la vraie monnaie. C'est la fausse monnaie qui fait autorité. Et vous faites émerger la vraie monnaie et ses avantages. Plus l'information se répand par rapport à la vraie monnaie, la fausse monnaie disparaît d'elle-même. Si je comprends bien, donc les deux royaumes ne peuvent pas fonctionner ensemble. Mais non. C'est pas possible du tout. D'ailleurs que l'histoire l'a montré, hein, si on revient dans l'histoire, vous verrez que il y a eu des époques où ce qu'on présentait fait, de manière politique comme le royaume d'Israël, sous des personnages comme David, quand ce royaume était puissant, les nations étaient subordonnées. N'est-ce pas? Bon. Mais pour que les nations soient, il fallait que ce royaume ne soit pas. On pense aussi au songe que Nebuchadnezzar a eu, oui. De la statue. Oui. Et de la pierre qui vient briser la statue. Oh. Et on dit ça. Que cette pierre représente le royaume, voilà. qui vient du Créateur. Et qui n'est vient... pas sous aucun voilà. Royaume. Voilà. D'ailleurs que vous verrez bien le fonctionnement même de certains éléments de notre univers. Vous ne pouvez pas voir la lune et le soleil occuper l'espace au même moment. Quand il y en a l'un, l'autre n'est pas. Vous voyez bien. Voilà. Et maintenant, comment ça va se passer le jugement? Le jugement, c'est... Puisque les deux ne peuvent pas... Oui, voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ça que, personnellement, dans la... Comment dirais-je, la compréhension que le Père donne, dont je crois qu'il vient de lui, je ne pose pas la lumière et le soleil. Je ne pose pas la lumière et le soleil. Vous voyez très bien. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand vous voyez très très bien, le soleil, la lumière est
je ne pose pas la lumière et la lune. C'est-à-dire le soleil et la lune, c'est ce que je voulais dire. Je ne pose pas le soleil et la lune. Donc vous verrez que la lune est dépendante du soleil. S'il n'y a pas de soleil, est-ce qu'il y a de lune? Non. Non. Elle ne brille pas. Elle ne brille pas. Elle ne brille pas. Donc si elle ne brille pas, on peut dire qu'elle n'existe pas. Elle ne brille pas. Voilà. Donc en réalité, si la lune, il y a la lune, le soleil qui accomplit sa mission, de la même manière que l'autre aussi accomplit sa mission. Donc vous avez ce que nous appelons Satan et tout ce qui est lié des créatures dépendant entièrement du Créateur. Donc dans l'accomplissement de ses desseins. Vous voyez bien, dans l'accomplissement de ses desseins. C'est-à-dire que il n'y a pas guerre entre le Créateur et la créature. Okay. Il n'y a pas guerre. Il y a le Créateur, il y a la créature. C'est lui qui l'a appelé à l'existence pour un but. Et il s'en sert pour réaliser le but. Lorsque le but est accompli, la mission est accomplie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Tu prends souvent l'exemple des matériaux pour oui. la construction d'une maison. Voilà. Des matériaux qui ont été utilisés et qui ont accompli un certain but. Oui. Après, sans jeter. C'est ça. Et lorsqu'un architecte doit construire, réaliser un édifice, il y a une somme de matériaux qu'il doit utiliser. Donc, lui, le but, c'est que les matériaux servent à réaliser son ouvrage. Lorsque l'ouvrage est réalisé, il y a des matériaux ayant réalisé leur travail qui sont mis à la poubelle. Voilà. Donc, ce qui fait que, là, simplement à titre de rappel, on voit bien que il y a un projet, avant que le Créateur n'appelle à l'existence les éléments qui lui sont extérieurs. Le projet, c'est de faire l'homme à sa réplique. Et il y a une somme de matériaux qui doivent participer à cela. Et au départ, est-ce que ces matériaux-là existent? Non. C'est lui qui a fait appel à ces matériaux. Il est dit dans Jean, chapitre 1, « Rien de ce qui a été appelé à l'existence ne l'a été sans la parole, c'est-à-dire les moyens internes au Créateur pour faire appel à ces éléments extérieurs, à lui, pour réaliser l'homme. Et lorsque l'ouvrage est réalisé, les matériaux qui a fait appel, qui sont provisoires, ont accompli leur mission. Voilà. Et certainement, c'est le sort qui leur est réservé qu'on peut présenter comme le jugement. Parce que c'est de cette même manière aussi que lorsque l'architecte termine son ouvrage, parce que très souvent on voit, lorsque quelqu'un, l'architecte réalise un gros ouvrage, un chantier, il entoure d'une clôture. N'est-ce pas? Et généralement, quand il termine son ouvrage, ni la clôture, vous ne la voyez plus, qui est souvent construite de manière provisoire, ni des fois les matériaux utilisés à l'intérieur. Bon, et tout ce dont l'architecte fait disparaître, bon, on peut dire que l'architecte le juge. Selon la compréhension que chacun peut avoir de l'action, ou alors de l'action de l'architecte. Après. Donc on voit bien qu'il y a des éléments provisoires qui ont pour objectif de réaliser une œuvre pérenne et éternelle. Et cette œuvre pérenne éternelle, elle est réalisée à partir des matériaux émanant du Créateur. Donc l'homme, il est la forme, la réplique du Créateur, la forme de la parole du Créateur, c'est-à-dire ce qui constitue la personnalité, ses caractéristiques. C'est pourquoi le Messie le disait, la vie éternelle, c'est qu'il te pénètre, c'est-à-dire c'est qu'il rentre dans ton identité, qu'il porte ton identité. C'est ça, parce que c'est toi qui es l'éternité. Dans la vie éternelle, en réalité, c'est lorsque nous partons de la phase embryonnaire pour entrer dans la phase accomplie. Comment savoir que nous sommes en train de divorcer avec l'impie pour entrer dans le processus du mariage avec le Christ?
Oui. Mais en fait, le mariage, dans la dimension dont tu parles, c'est-à-dire dans le sens de la prostitution, hein, parce que là, nous sommes dans une relation illégale, une sexualité animale qui n'est pas pure, c'est-à-dire portant l'identité de celui dont nous ne devrions pas porter l'identité, celle de Satan. Bon, et puis les signes de cette fusion avec lui sont visibles. C'est que nous sommes sa forme matérielle. Ce qui constitue sa personnalité, nous l'extériorisons. On peut voir les haines, on peut voir les jalousies, on peut voir l'instabilité, on peut voir les angoisses, on peut voir les plaintes. C'est, tout ça, c'est, ce sont les caractéristiques qui viennent de celui dont nous portons la personnalité, Satan, n'est-ce pas? Et on peut d'ailleurs voir ça, ce sont des caractéristiques qui sont communes à l'humanité, communes, caractéristiques, communes à l'humanité. Et Jean m'a montré, il y a une vidéo d'actualité en France où tu ouvres 3, 4, 5, 6 chaînes de télévision, tu parles de la même chose par rapport à la population. On te dit, le stress, c'est une, on dit bien, c'est un phénomène dans la population. On dit, un sondage a montré que la population française est la plus consommatrice des antidépresseurs. Tu ouvres l'autre chaîne, parler de la même chose. Toute la population dans l'angoisse. Tu ouvres, le moral des Français est en baisse. Ils sont angoissés. C'est pas, vous voyez bien. Donc, mais ça montre qu'on est marié à qui? Voilà. C'est-à-dire, les caractéristiques sont là. Les jalousies, cupidité, opportunisme, individualisme. Vous voyez bien, les plaintes, les jugements constants. Ça montre bien l'identité de celui dont nous portons. L'instabilité, je te dis une chose. Maintenant, selon les événements dans 2 heures, je te dis une autre. Vous voyez bien, la frustration, tout ça, ça montre bien l'identité. Voilà. Maintenant, si nous commençons à divorcer pour rentrer dans l'identité du Créateur, ça veut dire que c'est l'effacement de ces autres caractéristiques qui montrent clairement que nous sommes en phase de divorce. Que nous sommes en train de porter l'identité d'un autre époux, le vrai époux. Donc, ça montre aussi que ce n'est pas une situation personnelle, mais collective. C'est-à-dire, je sors du mariage universel. Universel. Parce que dans la démarche, à travers toutes les méthodes qui sont utilisées, on dit bien que l'objectif ici, c'est de construire la relation entre l'humanité et les démons, la hiérarchie spirituelle. Vous voyez donc, marier l'humanité aux démons. Donc naturellement, lorsque nous sortons de ce mariage, c'est-à-dire que nous divorçons, c'est là où on parle donc du divorce. Lorsque nous sortons de ce divorce, pour retourner, mais les signes sont visibles. De la même manière que les signes de l'autre mariage étaient visibles, les signes du nouveau mariage vont commencer à devenir visibles, manifestes. Parce que vous verrez que des caractéristiques propre au mariage des nations avec des principautés spirituelles. Ce qui est annoncé dans l'Apocalypse, on dit le faux prophète et les rois de la terre ont marié toutes les populations aux prostituées. Bon, vous allez voir que quand les gens s'angoissent, ils ne s'entendent pas, hein, ils ne sont pas au même endroit. Quel que soit le lieu où ils se trouvent dans le monde, en dépit de l'éloignement géographique, vous allez voir clairement que ils ressentent les mêmes vibrations, angoisse, inquiétude, soucis, les mêmes, mais ils ne s'entendent pas pour le faire. Donc ça montre que ces individus-là sont dépendants du même époux. C'est ça. C'est donc ça la prostitution, c'est ça l'adultère. C'est ça la fornication. Réel. Le fait de se crier dessus tout le temps montre clairement que nous extériorisons là les caractéristiques d'un autre. J'ai une fille qui demande souvent maintenant qu'on va divorcer, on va divorcer. Et j'ai l'air de dire la Bible nous interdit de divorcer. Oui. Donc je pense que c'est pas la peine de leur dire ça. Mais bien sûr que. C'est qu'on prend la Bible, c'est comme je le disais, hein? C'est ça. Parce que comme on n'a pas compris ce que c'est que le mariage, ben on va dire ça.
Parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que le mariage. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est-à-dire qu'on est là dans une démarche de mariage qui est propre à la civilisation des nations. Donc on va prendre la Bible pour soutenir. C'est ce que je veux dire. On va prendre la Bible pour soutenir. Mais par rapport à la conscience du royaume, nous n'avons jamais été mariés. J'ai dit, comment vous pouvez marier quelqu'un qui demeure dans l'embryon? J'ai dit, qu'on me le montre. Comment vous pouvez marier votre enfant qui a 6 mois, 10 ans après, il a 6 mois, 20 ans après, il a 6 mois. Je sais pas, vous comprenez ce que je dis? Il est là, vous pouvez le marier? C'est pour ça que le père a attendu que son fils rentre dans la phase accomplie pour lui donner une épouse. Parce qu'on a eu beaucoup à intervenir, mais on était en dehors vraiment. Mais bien sûr, on est là dans l'humanisme, c'est-à-dire l'humanisme, comme vous avez dit souvent, maçonnique. Voilà, on est dans l'humanisme. On est dans l'humanisme. Dieu ne veut pas que les gens divorcent. Voilà. Est-ce que c'est Dieu qui vous a unis? C'est ça la question qu'il faut poser. Est-ce que c'est en lui que vous êtes unis? Beaucoup de ça a été fait devant le pasteur. Puisque même le temps, vous voyez bien le Messie, il dit bien que personne ne doit séparer ce que je crois dans le Créateur. Personne ne peut le séparer. Parce que c'est la construction du Créateur. Vous voyez, c'est la construction du Créateur. Les deux fusions, c'est la même vision. Voilà. Il n'y a pas de divergence d'intérêt. Mais non, pas du tout. Il n'y a pas de séparation. C'est pas du tout. Mais c'est la même personne. C'est pourquoi il dit, Marie aime vos femmes comme Christ a aimé les. Il leur dit, mais qui peut haïr sa propre... C'est quand Dieu cherche, c'est sa propre personnalité, identité. Est-ce que vous voyez bien? Selon la loi romaine, oui, mais selon le principe, selon la conscience d'en haut, non. Le problème, c'est qu'on a pensé la maturité ailleurs que dans la maturité réelle. Oui, c'est ça, c'est-à-dire on l'a pensé selon, dans la dimension humaniste, c'est ça, dans une autre conscience. Et ça a été fait exprès, hein, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons pensé comme ça. Ce sont des idées reçues qu'on nous a imposées, comme ça pour nous éloigner de la réalité. Et quand il faut intervenir dans des couples qui vont se séparer, donc il faut les laisser se séparer. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que le mieux, c'est d'annoncer le royaume aux gens. Voilà. Qui m'a établi juge entre... Voilà. Oui, c'est la notion du royaume. C'est exactement comme l'un des individus qui suivait le Messie. C'est ça. Il y a un qui lui dit, mais maître, dis à mon frère de bien partager voilà. L'héritage que mon père a laissé entre nous. Le Messie lui dit, mais... Qui m'a établi juge dans vos affaires. Ça ne concerne pas. Moi, nous n'avons pas la même conscience. C'est ça. Si tu reconnais dans ce que je t'ai dit, suis-moi. Ne me fatigue pas de ça. Je t'amène ici, toi, tu me dis, regarde là-bas. Que le dernier jour, ça sera l'esprit. Ouais. Et que personne ne dira que c'est mon mari ou ma femme. Ouais. Donc, s'ils veulent se séparer, donc, bien sûr. Il faut que nous, on annonce les malheurs. C'est le royaume. Voyons, c'est tout. Wow. Merci, lui, bienvenue. C'est mon cousin. On aurait dit l'avenir, mais il est parti en Belgique. Il veut divorcer de sa femme et je lui ai dit, je ne veux rien attendre, je ne veux même plus te voir. Ils ont fait des prières, se sont mariés entre guillemets dans le Seigneur. Nous, on ne s'est pas mariés, on ne connaissait pas le Seigneur. Alors j'ai dit, raison de plus, vous avez gêné. Maintenant, vous voulez divorcer, je ne veux rien attendre. Merci de l'avoir.